Salut à tous, aujourd'hui pour la première fois depuis 2 mois, il pleut pas, enfin pas encore. Alors j'en ai profité pour prendre la route et pour me faire une petite sortie hivernale. Aujourd'hui on prend la route vers l'abbaye de Trois-Fontaines. Comme souvent j'y suis jamais allé, je connais pas la route. Donc on va découvrir ça ensemble, on va essayer d'éviter les plaques de verglas et les nuages. Pour une fois il n'y aura pas 2 jours de tournage et 3 jours de montage, c'est vraiment une sortie vite fait. Histoire de profiter un peu de la route malgré l'hiver. Allez go! Au programme de la journée, une boucle de 150 km pour les rejoindre à l'abbaye de Trois-Fontaines, dans un village situé à cheval entre la Marne, la Meuse et la Haute-Marne. J'ai pas filmé les 40 premiers kilomètres, mais pourtant, il faisait un soleil radieux. En revanche, il avait gelé toute la nuit et il y avait du verglas partout. Alors quand j'arrive ici, à l'entrée de la forêt, et que la route est encore très humide, je me demande comment ça va se passer pour le reste de la balade. J'ai regardé vite fait la carte avant de partir, et je sais que la route va pas tarder à devenir sinueuse. Malheureusement, elle est pas du tout en état pour s'amuser sereinement. Déjà que d'habitude j'y vais tranquille, mais là je vais y aller hyper tranquille. C'est ici, à l'entrée de Sermaize-les-Bains, qu'il va falloir bifurquer pour trouver la direction de l'abbaye. Je suis sorti parce qu'il devait y avoir un peu de soleil aujourd'hui. Bon, finalement le ciel est gris, les arbres sont marrons et les rivières débordent. Malgré tout, on va quand même essayer de profiter du paysage. Bon, j'aurais préféré une route bien sèche, et surtout ne pas croiser les plaques de verglas qui m'ont refroidi toute la matinée. Mais après quelques kilomètres et quelques virages, je me sens quand même un peu plus à l'aise. C'est la première fois que je passe par ici, et en voyant cette route, je me dis qu'une seule chose, il faudra absolument que je revienne au printemps. Ce sera une meilleure occasion de profiter de cette belle route et d'explorer la région. J'arrive dans un village, et comme je ne sais pas exactement où se trouve l'ancienne abbaye, je la cherche un peu du regard, avant de me rendre compte qu'elle n'est pas encore là. Mais juste après, dans la vallée suivante. Effectivement, arrivé devant, on ne peut pas la rater, et on voit clairement que la route a été tracée pour ça. On est accueilli par un portail monumental construit en 1741, alors que l'abbaye était encore active. Et à l'extérieur, si ce n'est les voitures, les bâtiments du village rappellent étrangement le XVIIIe siècle. Quelques vestiges du Moyen-Âge font face aux habitations et à la place de la mairie construite juste devant l'entrée de l'ancienne abbaye. Les bâtiments de la première cour datent eux aussi des années 1700. Mais mon regard s'est tout de suite porté vers ce bâtiment en ruine que j'ai aperçu à l'arrière-plan. Pour y accéder, il faut sortir à l'arrière par le cloître.
Et c'est au fond des jardins, près de ce vestige de portail, que j'ai fait la somptueuse découverte. Une abbatiale du XIIe siècle, aujourd'hui en ruine, demeure là, au milieu des arbres, comme figée hors du temps. Construite en 1118, l'abbaye s'apprête à fêter ses 900 ans. Et ce décor presque cinématographique m'a fait complètement plonger dans le passé. Comme bien souvent, on doit cette destruction à la Révolution française, qui a décidé de classer ce monument bien national, de le vendre et en partie de le détruire. Le site est désormais privé et c'est une association qui est en charge de son entretien. Il est possible de faire un don pour la sauvegarde du site, et d'ailleurs je vous laisse le lien dans la description. Avant de partir, j'ai quand même eu droit à un rayon de soleil qui m'a presque réchauffé et qui m'a surtout convaincu que j'allais revenir ici en été pour profiter de la vue, du parc et encore une fois de ces belles ruines. En repartant, j'ai voulu suivre un circuit touristique qui prend la direction de l'est, mais je suis vraiment pas certain de l'avoir trouvé. Je n'ai fait que traverser une immense forêt qui m'a conduit directement dans la Meuse. Et j'ai finalement eu droit à un peu de beau temps pour la route du retour. Et heureusement, parce qu'après 3 heures de moto avec seulement 1 ou 2 degrés, je commençais à être un peu refroidi. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'ai beaucoup de projets de vidéos dès que la météo s'améliorera un petit peu. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook. Pour ça, je laisse le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !